C'est pourquoi certaines personnes disent :« Ça fait un bon moment que je suis dans cette église. Si Dieu devait faire quelque chose, il l'aurait fait déjà. » Je pars. Alors, est-ce une affirmation réelle Et vous ne pourriez pas recevoir de l'aide. C'est là qu'il y a les problèmes. Même si vous voulez être délivré maintenant, aussi longtemps qu'il y a des mensonges dans votre vie, oubliez l'idée de recevoir de l'aide. C'est la repentance et comment à marcher. Dans la repentance, c'est tout. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas vous. Vous pouvez travailler aussi durement que vous le pouvez, vous ne saurez pas. Vous pouvez avoir tous les contacts, cela ne vous ajoutera rien. Nous refusons de vivre dans la réalité. C'est de cette façon, notre premier problème, nous refusons tout simplement. De vivre dans la réalité. Quand vous regardez votre vie, vous n'êtes pas une personne qui apprécie trop la réalité. C'est pourquoi certaines personnes disent Ça fait un bon moment que je suis dans cette église. Si Dieu devait faire quelque chose, il aurait fait déjà. Je pars. Alors, est-ce une affirmation réelle Pourquoi est-il difficile pour nous de vivre dans la réalité Vous ne faites qu'hésiter, vous ne faites qu'hésiter, vous refusez la cohérence dans la vérité. Pour vous, les mensonges sont vrais. est vrai. Et c'est tout ce que vous connaissez. La réalité est très très rare. Et en fait, vous ne vivez pas dans la réalité. Pour beaucoup de gens, les mensonges est naturel. Pour mentir, ils ne réfléchissent même pas deux fois. Ça va de soi. Et même leur conscience est morte. Ils ne se posent même pas la question de savoir pourquoi ils mentent. Les gens mentent là où il n'y a aucun besoin de mentir. Par exemple, quel est votre nom Vous mentez. Vous mentez, votre nom. Que faites-vous dans la vie Vous mentez. Juste comme ça. Maintenant, c'est que nous apprenons à l'église. C'est ça la réalité et vous ne pouvez pas vous en échapper. Vous ne pouvez pas mentir à ce sujet. C'est pourquoi la progression dans votre marche chrétienne est minime. Faire face à la réalité. C'est comme si vous êtes sur les pelotons d'exécution. Vous vous mettez à transpirer. Il y a des amitiés basées sur les mensonges. Des amitiés entretenues par les mensonges. Non, mais c'est vrai. Certains d'entre vous ont proposé le mariage à leur partenaire en se basant sur les mensonges. les mariages sur des mensonges. Alors, je ne sais pas comment vous allez survivre à ça. Parce que vous savez, très souvent, les femmes aiment qu'on leur monte, mais elles connaissent la vérité. Elles connaissent la vérité, elles se disent, ça, ça ne peut pas être vrai. Mais elles se disent, non, j'attends d'abord. Pourquoi Nous devrions nous enraciner dans la réalité. Dès les premiers jours, quand vous commencez votre vie, soyez enraciné dans quoi Dans la réalité. Cet homme est-il sincère Cette femme est-elle sincère Dès les premiers jours, si vous n'êtes pas certain, ralentissez. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé. Ça, c'est le destin. Lorsque vous êtes enraciné dans la réalité, vous aiderez les autres à être calés sur la vérité. Si vous-même vous manquez la vérité, comment allez-vous en parler aux autres Alors, quand vous examinez votre vie en général, est-ce que tous les domaines de votre vie sont dans la réalité Asseyez-vous et discutez discuter l'exagération quand vous gagnez 20 000 rentes, vous dites que vous en gagnez 200 000 l'exagération et à partir de là vous commencez à voler parce que vous vous êtes lancé dans un mensonge. Vous commencez à voler maintenant. Est-ce que tous les domaines de votre vie sont basés sur la réalité Aussi longtemps que vous fouillez vos problèmes, vous ne vivrez pas une vie de réalité. fuyant vos propres problèmes. Au lieu de répondre à vos propres problèmes en réalité, vous vous mettez en mentir. Vous commencez à vous faire des illusions, vous commencez à rêver, vous vous dites que je vais juste dormir et ces problèmes vont s'envoler. Lorsque vous allez vous rêver, vous n'aurez plus ces problèmes. Comment pouvez-vous rencontrer une personne en une journée et les jours suivants vous êtes mariés Êtes-vous normal Est-ce que vous la connaissez même Du moment où vous vous mariez, c'est quand votre mari vous dira son vrai nom. Vous allez devoir attendre pour être présenté à son frère. Et quand son frère lui parle, il appelle Jonathan. Mais tu t'appelles Jonathan Tu ne me l'as jamais dit il dit non, ça c'est mon poste, non. Quand vous apprenez à conquérir vos problèmes, vous apprenez à vivre dans la vérité. Hmm. Dites à votre voisin. Oui. Apprenez à vivre dans la vérité. Vous savez, quand vous vivez dans la vérité, le diable ne restera pas longtemps avec vous. Pourquoi est-il difficile pour nous d'être délivrés pour toujours Nos vies ne sont pas basées sur la vérité. Pour atteindre votre grandeur, débarrassez-vous des mensonges et des illusions sur vous-même. C'est ça la grandeur. Quand je dis que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Je suis libre. Ceci est à mettre en pratique. C'est débarrasser des mensonges et des illusions sur vous-même. Oui, vous vous trompez vous-même. Et vous ne pourriez pas recevoir de l'aide. C'est là qu'il y a les problèmes. Même si vous voulez être délivré maintenant, aussi longtemps qu'il y a des mensonges dans votre vie, oubliez l'idée de recevoir de l'aide. Faire du mal, ça nous arrive à tous. Mais ce qui compte, c'est ce que vous faites après avoir commis les mal. Aujourd'hui, taclez les racines des problèmes dont vous essayez de fuir. Je vous parle en tant que père, ami, frère. Taclez la racine du problème que vous avez essayé de fuir, ce qui vous a même poussé à mentir. Lorsque vous parlez lentement, cela vous aidera à réfléchir. La vérité vous rendra libre. Même si je vous ai causé du tort, je vous dirai que je vous ai causé et vous serez libre, moi aussi je serai libre. Les problèmes dans nos foyers sont dus au fait que nous nous cachons. Pourquoi ne laissez-vous pas votre téléphone n'importe où dans la maison, parfois même sur une chaise, et allez dormir, vous oubliez Demandez à votre voisin et asseyez-vous. Oui Laissez ça là-bas. Et pour le retrouver, quelqu'un devrait l'appeler. Appelez votre téléphone et, OK, voilà, tout le monde est alerté, vous trouvez le téléphone, c'était placé ici. Mais dans votre cas, vous faites un avec votre téléphone. Vous êtes collé à ça. Pourquoi Il y a des mensonges dedans. Ce que vous dites être secret est un mensonge. Allô Ce que vous appelez secret est un mensonge. Alors Combien de mensonges gardez-vous en tant que secret Alors, vous vous mettez à mentir. Vous dites non, je ne connais pas ces numéros. Hein Votre femme vous dit que non. Ah ah, ça fait quatre fois que tu te trompes de numéros. Mais les mêmes numéros. Et vous regardez à ces numéros. Vous dites que non, je ne sais pas qui appelle. <laughs> Quand ces numéros appellent, vous n'arrivez plus à respirer. Pourquoi Commençons par tacler d'abord la racine du problème. Vous savez quoi Vous perdez votre temps, vous n'allez pas atteindre les succès. Vous n'allez pas réussir. Il y aura la pauvreté dans votre maison, il y aura la maladie dans votre maison, et vous rendez votre vie courte. parce que vous n'avez pas de paix. La paix crée en se débarrassant des choses qui apportent la guerre, une chose après l'autre. Quelle est la racine de votre problème Telle est la question. Quelle est la racine du problème que vous traversez en ce moment Merci monsieur. Ne soyez pas superficiels. La légèreté vous a mené jusqu'ici. La vérité ne tue pas. Elle guérit. Peu importe pendant combien de temps vous l'avez gardée, la vérité guérit. Votre cauchemar est un mélange des mensonges et des démons. Alors, qu'allez-vous réprimander Demandez à votre voisin de discuter. Lesquels Vous laissez un démon vous réprimander les mensonges Nous avons besoin d'aide, mais nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos peines. Quand vous vous noyez et que vous savez que si personne ne vous vient en aide maintenant, vous êtes parti, vous cesserez de mentir. Mais parce que vous ne connaissez pas les conséquences et la gravité de votre situation, elle passera de vous maintenant à vos enfants. Et à vos petits-fils. Et ils viendront vous mentir à leur tour quand vous êtes vieux. Et que ferez-vous? Vos mensonges vous ont frustré. Avez-vous vraiment et honnêtement? Résolu les problèmes de votre vie ou vous vous êtes contenté de les rafistoler. Demandez à votre voisin. Quand vous rafistolez quelque chose, après un temps, les correctifs ne va pas aider. Alors vous recommencez à zéro. Que dire de vous? Qu'étiez-vous en train de faire avec les problèmes de votre vie Les avez-vous rafistolés Ou vous les avez réellement résolus Certains d'entre vous ne font que les multiplier. Il n'y avait aucun problème. Pour certains d'entre vous, dans votre vie familiale d'origine, il y avait la crainte des dieux. Vous avez sauté les pas. En voulant être riche, vous avez pris votre propre chemin. Certains d'entre nous, en fait, beaucoup d'entre nous, viennent des familles bien équilibrées, des familles religieuses. La famille partait à l'église quand vous étiez né, il partait à l'église. Mais maintenant que vous avez grandi, vous dites que non, c'est pour les pauvres, c'est dépassé. Non, maman, laissez, je vais amener la bourgeoisie ici. Je vais amener ceci et cela. Ce sont vos propres choix qui vous ont égaré. Certains d'entre nous, si nos parents savaient réellement ce que nous faisons, ils s'évanouiraient. Honnêtement parlant, vous venez d'un milieu dont les parents respectent l'intégrité et la vérité, de plus que les richesses. Il y a des gens comme ça, mais vous, vous avez tout rejeté. Et vous dites, non, les gens se moquent de nous au village, je dois faire quelque chose. Et maintenant, les mensonges et les tromperies font partie de votre vie. Mais quand vous rentrez au village, ils vous diront, mon fils, ma fille, même si tu manges une fois par jour, une bonne réputation vaut mieux que des richesses. Fais-toi respecter, va à l'église. Ce sont vos choix parce que vous êtes passé par les bancs de l'école, parce que vous avez cru que tout celui qui passe par les bancs de l'école est censé devenir riche. Alors, pour les grands-parents, oui, mais pas au niveau où nous en sommes. Non. Je peux vous parler des grands-parents quand ils avaient l'habitude de boire, c'était les soirs. Quand les gens dorment, eux boivent pour dormir. Maintenant, vous vous buvez pour manifester votre folie. Vrai ou faux Oui, même cette euh, marijuana, elle ne se fumait pas les matins. Avant que les gens ne se réveillent, ils l'ont déjà fumé. Les gens disent seulement non, laissez cet homme-là tout seul. On ne sait pas pourquoi il se comporte comme ça. Maintenant, vous vous prenez la marijuana comme si c'était la cigarette. Vrai ou faux Allez dehors, vous verrez les gens fumer de n'importe quelle façon. Dans les temps, c'était difficile de savoir que non, cette personne prend la drogue. 4 à 5 heures du matin, il a déjà pris, c'est tout. Quand il va... Labourer son champ. Sa femme est obligée de lui dire non, arrête, repose-toi maintenant. Alors, prendre ces substances dans les temps avait un but. Dites à votre voisin. Non. Je voyais de telles personnes au village. Très assidues. Il ne se fatigue jamais, il a juste besoin d'eau. Donnez-moi juste de l'eau à boire, c'est tout. Et pendant ces temps, vous ne les verrez pas fumer. Non. Quand les gens auront disparu et fini de faire leurs activités, c'est alors qu'il va s'éloigner dans un certain buisson et commencer à fumer. Quand il revient, il est calme. Quand vous les provoquez, même le village le sait, vous ne devez pas les provoquer, sinon la guerre ne va pas terminer. C'était des gens très sérieux. Pourquoi prenez-vous des décisions à la légère Vivons-nous dans la réalité Ou alors... C'est une vie cosmétique. Cela va vous rattraper. S'il vous plaît, vous êtes encore jeune, vous pouvez réussir. Je vous dis la vérité. Quand vous commencez à vivre dans la réalité, vous allez réussir. Ne perdez pas votre temps. La vérité, en réalité, je n'ai rien, je n'ai rien, j'ai quelque chose, j'ai quelque chose. Vous avez dit aux gens de venir vous voir, maintenant qu'ils viennent vous voir euh, demain, qu'allez-vous leur dire demain Vous avez cru que lundi n'arriverait jamais. Pourquoi brûlez-vous les étapes Alors, écrivez-moi juste cinq raisons. 5 raisons des problèmes fondamentaux de votre vie qui vous empêchent d'avancer. Juste 5 raisons. Vous savez que vous auriez pu aller loin. Vous les savez, n'est-ce pas? Allô? Vous savez que vous auriez pu accomplir beaucoup de choses. Quels sont les 5 problèmes fondamentaux de votre vie qui vous empêchent d'avancer? Quels sont les principaux défis qui vous empêchent d'avancer Défis principaux qui vous empêchent d'avancer. Moi, j'ai dû vaincre tout ceci. C'est pourquoi personne ne peut m'intimider. Et ce qui est bien avec moi, quand vous me regardez, j'arrive facilement à voir si vous m'aimez ou me haïssez. La moitié du monde m'aime, l'autre moitié me déteste. Je ne sais pas où est votre place. Oui. Alors, je ne peux pas être tordu. Parce que vous me détestez. Loin de ça. Acte chapitre 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Oui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se répentir. Encore une fois, s'il vous plaît. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se répentir. Alors c'est à vous de voir. Nous avons parlé des problèmes de mensonges, tromperies, désillusions, la déception et ce que cela produit. Maintenant Dieu dit, la seule façon d'être libéré, c'est quoi c'est repentir et Dieu ne vous demandera pas où étiez-vous allé pourquoi ceci non 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 il faut se repentir du plus profond du cœur c'est disant non je ne peux plus continuer comme ça cela est là, en train de me tuer je n'en peux plus et la repentance c'est dans tous les domaines de votre vie pas juste la parole L'image que vous avez créée pour vous-même est-elle vraie ou mensongère C'est la repentance et commence à marcher. Dans la repentance, c'est tout. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas vous. Vous pouvez travailler aussi durement que vous le pouvez, vous ne saurez pas. Vous pouvez avoir tous les contacts, cela ne vous ajoutera rien. La repentance. Je suis désolé, je recommence à zéro, je n'ai plus besoin de ce genre d'amis, je n'ai plus besoin de ce style de vie. Ta miséricorde, Seigneur, c'est le moment où vous plaidez pour sa miséricorde. Dieu sait que vous avez une famille à prendre en charge et c'est Dieu qui donne l'abondance. La promotion ne vient pas de l'Est ou de l'Ouest, ni elle ne vient de l'homme. Dieu utilise l'homme pour vous promouvoir, mais la promotion vient de Dieu. Quand vous remplissez les conditions, quand vous faites plaisir à Dieu, Dieu vous bénit. Mais toutes ces choses que vous avez faites sont toutes annulées. parce que nous devons prendre note de ce que vous traversez. Nous devons prendre note. Alors, vous voulez demander qu'est-ce que la repentance Les péchés. Les péchés à l'air palpitant lorsque vous péchez. Ensuite, les conséquences. Merci d'avoir acheté ce DVD. Nous espérons que ces enseignements vous ont inspiré à vous rapprocher du Dieu Tout-Puissant. Jean 14, verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ceci sont les paroles que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a laissées, et ici à Impact for Christ Ministries, nous croyons en Dieu le Père Céleste, Hachem, en faisant les œuvres de Jésus-Christ. Faire les œuvres de Jésus-Christ à travers les enseignements de l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, qui révèle la pensée de Dieu dans votre situation. Vous pouvez nous rejoindre pour notre culte du dimanche matin qui commence à 8h heure d'Afrique centrale et notre culte du dimanche après-midi qui commence à 15h heure d'Afrique centrale. La ligne de prière a lieu après le culte du dimanche matin et l'enregistrement pour la ligne de prière a lieu chaque samedi à partir de 10h à l'église. Nous vous prions d'apporter votre certificat médical en cas de maladie. Rejoignez-nous pour le culte du mercredi qui commence à 9h heure d'Afrique centrale. Vous pouvez aussi nous rejoindre chaque dernier vendredi du mois pour la veille de prière qui commence à 21h. Pour plus d'enseignements, nous vous encourageons à vous brancher sur ITVN Impact Television Network qui est la chaîne de télévision de Impact for Christ Ministries. ITVN est disponible sur DSTV Public Bouquet utilisant les paramètres suivants. Pour plus d'informations, contactez-nous aux adresses suivantes. Si vous êtes hors de l'Afrique du Sud et vous êtes un visiteur international, Contactez-nous au numéro suivant. Nous vous prions d'aller sur notre site internet www.impactforchristsa.com et télécharger le formulaire de visite. Envoyez-le nous après l'avoir rempli. Impact for Christ Ministries va répondre à votre requête de visite. Vous ne pouvez voyager que lorsque votre date d'arrivée a été approuvée. Impact for Christ Ministries tient à porter à votre attention qu'aucun visiteur ne sera reçu sans arrangement préalable. Shalom.